Alors, je vous propose une petite activité lapin. Alors, d'abord, il vous faut une petite silhouette de lapin découpée dans du papier. Voilà, que vous venez coller sur une feuille. Donc là, moi, j'ai mis un petit bout de scotch. Vous pouvez mettre un petit bout de pâte à fixe, éventuellement de la colle. L'idée, c'est de les enlever après. Donc, quelque chose qui se décolle facilement. Et donc là, avec des petits cotons-tiges, hop, on va venir faire le tour du lapin. On peut mettre plusieurs couleurs, hein. Moi j'en ai choisi trois. Du rouge, du rose, enfin j'en ai choisi. On m'a imposé rouge, rose et blanc. On n'hésite pas à en mettre. On fait tout le tour du lapin. Hop. On mélange bien ces couleurs. Pour les plus petits, vous pouvez aussi faire avec les empreintes de doigts, hein, tout simplement, plutôt que les cotons-tiges, si c'est déjà un petit peu trop compliqué à tenir. Voilà. Donc on fait tout le tour rapproché du lapin. On fait bien le tour des oreilles. On alterne ses couleurs. On vient en mettre partout. Hop. Petit pointillisme. Les petits points, c'est sympa. Voilà. Quand on a fait le tour, hop, on peut refaire un tour de manière un peu plus large. L'idée, c'est vraiment, hop, de mettre de la peinture rapprochée, mais un peu partout, et de mélanger les couleurs. Si elles se chevauchent, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc prévoyez une silhouette qui n'est pas trop grande pour les enfants les plus jeunes, ceux qui ont peu de patience. Après, pour les plus grands, vous pouvez prévoir quelque chose de une silhouette un peu plus grande, comme ici par exemple. Hop, voilà, où là on fait toute la page. Voilà, donc on fait bien le tour. D'abord rapproché, ensuite plus éloigné. Voilà. Donc les enfants peuvent s'amuser à tapoter partout. S'ils en mettent sur le lapin, c'est pas grave. C'est aussi le but. Puisque de toute façon, en fait, on va venir l'enlever après. Voilà. Et après, un peu plus large, on peut élargir. Vous voyez, selon la patience qu'ils ont, selon ce qu'ils ont envie de faire. N'hésitez pas à les laisser faire un petit peu comme ils veulent. C'est aussi le but, hein, de s'amuser et que ce ne soit pas une contrainte. Voilà. Et donc l'idée, quand on a fini, c'est de venir décoller notre petit lapin ou notre grand lapin. Hop. Voilà. Et voilà. C'est mignon.